Et bonjour, donc nous voici pour un petit tour de cartes. Tu attaques à moi ? Je suis là. Ce coup-ci, c'est moi qui est ici et toi, t'es là. Tiens, avant de commencer, j'ai une petite prédiction. Je vais te la confier, tu l'ouvriras à toi, pour pas qu'on pense que je fais des manipulations, des échanges, des trucs comme ça. Et donc ça se fait avec un jeu 50 de cartes. Ce coup-ci, bah, tiens, j'ai pris un bicycle vert. Tu veux pas qu'on le fasse un essai et je fais semblant de pas comprendre ? Non, c'est la première fois que tu le vois. Je fais semblant, oh là là, j'ai pas compris. Donc regarde l'idée. C'est sûr que tu vas m'épater ou pas ? Il y a quelque chose à l'intérieur ? Rien. Non ? Pas d'éléphant. Ok, très bien. Allez, pose-le, ça en a plus besoin. Alors, ce que je vais te dire, c'est que tu sais que quand on mélange par exemple les jeux style à la française ou à l'américaine, comme ça, en fait, on mélange les cartes par bloc, à moins qu'on les fasse parfaitement, mais c'est très difficile. Donc la meilleure façon de mélanger un jeu, c'est le mélange parfait, parce que ça déplace vraiment toutes les cartes une par une dans n'importe quelle position. Par contre, et tu sais très bien aussi que, donc tu peux voir le jeu mélangé, mais par exemple si tu venais, je dis n'importe quoi, à compter par exemple l'as de pique, toi qui as, on va prendre une carte simple, toi qui est par exemple en quatrième position, et bien si je prends le jeu et que je fais réellement un mélange entre guillemets parfait, donc alors je vais couper pile poil milieu, hein, c'est assez difficile comme ça, voilà, et que je mélange mes cartes. Hop, alors j'ai des cartes un petit peu cornées. Alors j'ai peut-être pas le milieu. Hop, c'est assez difficile de prendre le milieu exact. Oh, si, ça doit être le milieu, ça, je pense. On va le voir. Et que je mélange donc mes cartes. Hop, voilà. Automatiquement, donc bien sûr, mon jeu a une autre disposition, mais l'as de pique s'est déplacé de quelques cartes, ça dépend entre guillemets plus ou moins où j'ai coupé. Ah, il est là. Il est là. Tu vois, donc il est en quatrième, il va se déplacer, machin. Donc de cette façon-là, on est sûr. Lui s'est déplacé. Oui, mais toutes les autres. Et voilà. Toutes les autres aussi. Mais de cette façon-là, ce que je veux dire, c'est qu'on est sûr à 100% que les cartes se déplacent dans un ordre qui sont totalement aléatoires. Que si tu fais un mélange comme ça et que tu reviens, peut-être qu'on a pu remettre, tu vois, les cartes au même endroit. Donc du coup, ce que je vais te demander, et ça tu le sais aussi, que quand on fait des mélanges comme ça, parfois, on peut retomber peut-être sur nos pas ou des trucs, on va dire, peut-être mathématiques. Parce que tu le sais, et donc je le dis pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vais à chaque fois couper le jeu, je vais essayer de couper pile poil la moitié à chaque fois, et tu vas me dire combien de mélanges tu veux que je fasse avec ce jeu, de façon à déplacer les cartes, et que je ne connaisse absolument pas l'ordre des cartes. C'est d'accord avec moi que, là je vois qu'il y a le 9, mais... Ça veut dire que ton tour, il ne peut pas être prévu à l'avance, puisque c'est moi qui choisis l'ordre du mélange. Exactement. J'ai compris. Donc vas-y. Donc, ce qui est intéressant, donc si je te dis 20, tu en fais 20. Si tu me dis 20, je fais 20 mélanges parfaits. Ça... Si je dis 2, tu en fais 2. Exactement. Ça peut être long, mais voilà, c'est le principe du truc. On peut faire ça. Donc exactement. Donc je vais couper moi à moitié avant que tu me dises quoi que ce soit, si j'arrive à couper la moitié. Je vais en faire 4. Et voilà, et je mélange. Je sais pas si c'est... Je m'en fous. 4, donc premier mélange. Du moment qu'on sait que tu peux en faire autant que tu veux. Hop, donc premier, donc il n'y a pas de... Pas de triche, hein, d'accord. Donc à chaque fois, les cartes se déplacent et on peut même les photographier, tout ça. Donc le deuxième. Ben on a compris que les cartes vont se mélanger. Hop. Au nombre de 4 mélanges, que j'aurais pu dire 6 ou 10 ou 20. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Le deuxième. Donc hop. Je vais prendre un jeu un petit peu plus neuf. Ok, je vais accélérer un petit peu la chose. Vous avez compris que... Le troisième. Vous allez acheter ce tour parce que soit vous êtes curieux, soit vous savez faire les pharaons parfaits. Voilà, hop, et je peux te le reprouver encore une fois. Ok, on avait un gros stack de cartes rouges ici, il a complètement disparu, il s'est imbriqué avec des noirs. Mmh. Et le dernier, au moins comme ça, hop. Et si je dis j'en veux que 3, tu t'arrêtes? Ah bah si tu veux que j'arrête là, si tu veux que je continue à faire le dernier, je le fais. Non, vas-y. Je le fais, ok. Non, c'est ça qui est bien, au dernier moment, ça change rien. C'est... Exactement. Et voilà, donc on arrête là. Donc t'imagines que je ne pouvais pas savoir combien de mélanges t'allais me dire et je ne peux absolument pas connaître l'ordre des cartes. C'est totalement impossible. Maintenant ce que je vais faire, enfin je vais me retourner, mais bon, oui que je vais me retourner, même si ça sert à rien, je vais te demander de couper une partie du jeu. Alors tu vas en couper quand même moins que la moitié, parce que moi il m'en faut plus que toi, pour te ou du moins un nombre identique. Mais donc je vais me retourner, tu vas couper. Pourquoi je me retourne? Parce que si tu coupes par exemple visuellement et que moi je vois ça, j'arrive plus ou moins à estimer ce que tu as coupé. Par contre, si tu es tourné et que tu as coupé et que je ne l'ai pas vu, j'ai beaucoup plus de chances de me tromper en voyant un gros bloc de cartes qu'en voyant exactement le nombre de cartes que tu as coupé. Tu comprends l'idée? Mais voilà. Est-ce que... Non, vas-y. Voilà, donc je me retourne.
Tu coupes et tu mets le paquet sous toi. Enfin, caché sous la table. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc tu sais pas combien de cartes tu as. Non. Et ben moi forcément je peux pas le savoir non plus. Non plus. Maintenant la seule façon que je puisse connaître le nombre de ton paquet, c'est de prendre les cartes et de les compter une par une. C'est-à-dire si je fais ça vraiment et que je prends mes cartes et que je les compte, forcément je sais combien t'en as. Mais je vais pas faire ça. Moi je vais juste couper mon jeu parce qu'on s'en fout de toute manière. Et on va attaquer le tour. Depuis le départ, et ça c'est pour ça, même si mon jeu était dans un ordre bien particulier ou dans l'ordre complètement, tout ça, la prédiction est là depuis le départ. D'accord? Oui. Cette petite prédiction, on va la sortir qu'au dernier moment. Ok? Je vais prendre mon paquet, je vais rien te faire de plus, tu vas le reprendre toi aussi, mais face en l'air, de façon à ce que tu vois les cartes, face en l'air. Voilà. Et on va poser les cartes à chaque fois que tu les poses, moi j'en pose une. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Donc je me suis arrêté pile poil ici. À 18 cartes. À 18 cartes. Je savais. Donc tu es d'accord avec moi que la carte sur laquelle je me suis arrêté là, si tu avais coupé 15, ça aurait été 3 cartes avant. Si tu avais coupé plus loin, ça aurait été ainsi de suite. C'est pour moi ça impossible. On a le même nombre de cartes et je sais pas. T'es d'accord avec moi que donc là. Du coup, c'est pour moi impossible de savoir que t'allais t'arrêter sur le 9 de cœur. Non, ah non. Puisque je ne connaissais pas le nombre de mélanges que tu t'allais me demander et je ne connaissais pas surtout le nombre de cartes que t'allais couper. Et bien, c'est assez étonnant. Je te laisse ouvrir le truc. Attends, imagine que sur toutes les possibilités que t'avais, tu t'es arrêté sur une seule et unique carte, le 9 de cœur. Est-ce que tu peux ouvrir l'enveloppe? Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une seule et unique carte et on est tombé exactement sur la même carte. Alors ça, c'est la première chose. Mais c'est pas le plus fort quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est pas le plus fort. C'est qu'en plus, regarde bien. Je suis en train de réfléchir. T'es tombé sur une carte. Ouais, bon, ça, une carte verte, c'était la tienne. Mais moi aussi, j'avais prévu aussi une carte verte. J'ai même pas fait attention au jeu. Mais ouais, c'est parce que tu l'as jamais vu. Mais ce qui est fou quand même, c'est oui, que t'es tombé sur le 9 de cœur. J'avais prévu le 9 de cœur, mais t'es tombé sur une carte verte et moi j'avais prévu une carte verte. Mais c'est fou quand même parce que la carte verte, c'est la seule carte du jeu qui est de différentes couleurs. Ouh là là. Depuis tout à l'heure, je pense en même temps que quitter le tour. Tiens, si tu veux examiner. Finalement, tu t'es retourné pour rien, parce que de toute façon, c'était. Exactement. J'ai coupé là, mais j'aurais pu faire plus loin. Comment j'aurais pu prévoir tout ça? Si tu tournes ou pas, ça servait à rien. Strictement rien. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas les jeux dans les mains, c'est un jeu normal. Jerry Nuggets. C'est un Jerry Nuggets classique. Classique, pas de roughing, pas de machin, pas de difficulté. Ah non, c'est un jeu de cartes de base. Et moi, j'ai coupé vraiment n'importe où. C'est vrai que j'aurais pu couper plus loin, plus haut, plus bas. Comment j'aurais pu savoir toutes ces informations? En plus, tu fais des pharaons. T'en as fait 3, j'ai dit 4, 5, 6, 7. Non, t'en as fait 4, j'aurais pu dire 8. Y a tout qui bouge. Et ta carte aurait pas été au même endroit. C'est joli. Le pire, c'est que si tu m'avais fait un pharaon de plus, ta carte, elle aurait pas été au même endroit. Et qui me dit que toi, quand t'as coupé, t'aurais coupé 16 cartes et pas 18? Alors perso, même si je suis pas fort sur les pharaons, je l'achèterai par curiosité. Voilà. Je parle pour vous parce que moi, je vais connaître l'astuce normalement. Je me suis entraîné ce week-end pour les pharaons. Hein. Voilà. Je fais vraiment un pharaon à la... Mais j'y suis presque, regarde. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ah. Non, mais tes cartes, elles sont pourries. Hein. Non, t'as vu comme elles sont... Elles sont pourries. J'avoue, elles sont mais, pas bonnes. Même moi, j'ai galéré. Je me suis entraîné ce week-end. Eh ben, ça va rentrer à porte. Je le fais comme ça, hein, sur table. J'appuie comme ça et boum, elle rentre nickel. Je te ferai avec un jeu neuf, tu vois. Ouais. Mais bon. Bon, mais j'avoue, pas voilà. Mal. Parce que belle coïncidence, belle... Alors qu'on mélange au début. Et comment c'est possible? Après, le faire sans pharaon, ça pourrait impressionner aussi, parce que si on démarre, ah ben oui, ça explique. Si on démarre sans le pharaon, j'ai un jeu, tu vas couper n'importe où, je ne peux pas connaître. C'est tout à fait possible, puisque de toute manière, même que le jeu soit 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, si tu fais ça, je ne sais pas... Ben oui, si il est dans l'ordre, forcément, j'ai 15, 5, donc c'est que tu as coupé 4 cartes. Mais de toute manière, voilà, tu aurais coupé 4 cartes, et pourquoi 4?
Et pourquoi pas 3? Ouais, non, mais Donc effectivement, on peut le faire sans mélange, mais voilà, Non, mais on arrive avec un jeu déjà c'est piqué. décrit comme ça, et je trouve que pour les magiciens, c'est beaucoup plus même fort, parce qu'effectivement, on sait très bien que le mélange parfait mélange vraiment correctement les cartes. Donc c'est un petit peu plus fort, c'est Non, non, sûr. c'est bien. Bravo. Voilà. Donc, ils ont juste à trouver un jeu normal et deux cartes différentes. Exactement, et deux cartes de différentes couleurs. Et s'ils mettent deux autres cartes, ils peuvent refaire avec ainsi de On suite, peu décide la importe. carte qu'on a envie qui va sortir. Pas mal. Voilà. Moi, je dis bravo. Voilà. Allez, Tu m'expliques? au prochain. Allez, je vais t'expliquer. Allez, je prends la caméra, tu m'expliques. Ah oui, il y avait juste une carte, il n'y avait même pas une instruction. Moi, j'attendais une instruction à l'intérieur.